le besoin le plus grand des gens, la chose la plus importante qui manque dans notre monde aujourd'hui, c'est l'amour sincère. Et le meilleur moyen de le manifester à quelqu'un d'autre, c'est de partager sa souffrance avec lui, de partager sa douleur avec lui, de partager ses ennuis avec lui et de faire un sacrifice pour lui dire « Je veux améliorer ta vie. » Genèse chapitre 1, le tout début de la Bible. Dieu dit « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Le Saint-Esprit a regardé le chaos et il a dit que la lumière soit. Et nous avons un monde très chaotique, gâché et obscur aujourd'hui. Et la seule chose qui pourrait éliminer l'obscurité, c'est que nous allumions la lumière. La chose intéressante au sujet de la lumière, c'est que là où il y a la lumière, aussi grande que soit l'obscurité, elle ne peut pas éliminer la lumière. Mais là où il y a l'obscurité, quand la lumière jaillit, elle élimine l'obscurité. Donc, tout ce que Dieu a et offre est beaucoup plus grand que tout ce que l'ennemi a et nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut pour changer le monde. Et je sais que nous disons des choses comme ça et parfois ça a l'air d'un battage publicitaire. Eh bien, nous allons changer le monde, nous allons changer le monde, la puissance d'une personne, mais j'y crois. Je crois vraiment qu'une personne remplie du Saint-Esprit qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et sa force, et qui sait qui elle est en Christ, et qui, pour une fois dans sa vie, arrête de penser à elle-même et vient en aide à quelqu'un d'autre et le soutient exprès, jour après jour après jour après jour, je crois que cette personne contaminera cette autre personne, et l'autre contaminera une autre, et l'autre contaminera une autre. Et peu de temps après, nous verrons les choses changer considérablement dans ce monde.